L'objectif global de la ZELECAF est de créer un marché continental unique pour les biens et services, accompagné d'une libre circulation des entreprises, des personnes et des investissements. La ZELECAF cherche à combiner les économies de 55 pays d'Afrique. Au nom du président de la COPAO, nous adhérons totalement à cette activité et nous souhaitons qu'elle puisse être porteur de nouvelles initiatives. La CEDEAO et le PNUD, notre traditionnel partenaire de développement, ont bien pris la mesure de ces problématiques et la nécessité de soutenir le secteur privé. Donc sur ce, je voudrais déclarer ouvert le séminaire de lancement. Je vous remercie pour votre attention. Merci. E-commerce est devenu le moteur de la croissance aujourd'hui. On a pas mal de demandes de la sous-région, mais c'est tellement difficile d'envoyer un produit qui coûte 5 000 francs, de devoir payer 25 000, 30 000 francs pour avoir ce produit-là. Et du coup, c'est des freins en fait au e-commerce. We do realize the challenges on logistics. Under the AFCFTA, they've created this non-tariff barrier alert system. Nous avons des centres et des agences qui existent au niveau de la commission de la CEDEAO qui a mis en place des outils. Le centre général pour le développement de la CEDEAO pour le développement, qui est créé depuis 2003. C'est pour vous. Alors, ces trois jours ont été très instructifs. I wish every participant here a safe journey back to their respective homes and encourage you to work on the platform that has been established here. Je voudrais pour conclure réaffirmer l'engagement du PNUD à permettre aux femmes de tirer le maximum d'opportunités ouvertes offertes par cette nouvelle zone de libre échange. Je déclare cet atelier clos et je vous remercie pour votre attention.